Bonjour chers compatriotes congolais, Zoro Bilel Ingeta, Solarien, je reviens à nouveau à propos de cette affaire de Minembwe, cette affaire qui est en train de cristalliser tous les esprits de la nation Congo, cette affaire qui est en train de remuer, de faire trembler, de faire bouger et d'énerver comme on ne peut l'imaginer, la mémoire collective et les noms de tous nos ancêtres méritants, ceux qui nous ont légué les terres que nous avons aujourd'hui, que nous allons défendre jusqu'à notre dernière goutte de sang. Il est en train de circuler, depuis quelques heures, un document signé par les ministres provinciaux de l'intérieur du site Kivu, annulant l'installation du bourgmestre de Minembwe. Quelque chose qui devait réveiller l'intelligence de toute personne qui en détient quelque chose dans la tête, pour la simple raison que si vous lisez la date de la publication de ces documents, elle remonte au 19 octobre 2020. Nous sommes aujourd'hui le 11 novembre. Pourquoi ils ont attendu aussi longtemps pour publier un document aussi simple? Là n'est pas la question. Le problème à Minembwe n'est pas l'annulation, ne se trouve pas au niveau de l'annulation de l'installation du bourgmestre de cette commune fictive créée par les Banyarwanda. Le problème se situe au niveau de cette entité. Elle doit être annulée pour la simple raison que ceux qui prétendent avoir la majorité sur ces territoires-là, ce sont des Banyarwanda, d'où nous sommes renvoyés au vrai problème qui est en train de faire couler encre, salive et sang dans la nation Congo, c'est-à-dire la question de la nationalité d'origine. Posez-vous la question, pourquoi la délégation de Tshilombo est allée à Kigali? Quel est le rapport qui sont allés déposer à Kagame? Et en retour, qu'est-ce que Kagame leur a dit? Pourquoi ils sont en train de vous distraire avec cette histoire de consultation, entre guillemets, alors que sont encore avec Kabila, les lits à vie? Et c'est une histoire de vie ou de mort. Au moment où nous sommes en train de parler, chers compatriotes, sachez-le que Tshilombo a cédé Minembwe à Kigali, à Kagame. Et c'est ce qu'est allé faire cette délégation au Rwanda pour justement aplatir la situation et calmer les tensions entre eux, agresseurs et collaborationnistes. Voilà pourquoi cette délégation est allée là-bas. Pour la simple raison que Tshilombo est pris la main dans les sacs, il ne sait plus comment s'en sortir et il n'a pas d'autres issues. Et dans l'entretemps, ils sont en train de faire des spectacles immondes, recevant tout et n'importe quoi dans l'optique de trahir, de légitimer cette trahison. Entre guillemets, je parle de légitimer parce que tous les gens qui vont voir ces vendus, ces collaborationnistes, personne n'a été mandaté par le peuple, personne n'a été élu réellement. L'idée est de constituer une majorité parlementaire ou je ne sais quel type de majorité, oubliant que la majorité parlementaire s'obtient lors des élections ou en négociant avant de commencer son mandat. Au cas contraire, nous passons à la dissolution simplement du Parlement et aux élections anticipées, histoire de permettre à ses pouvoirs d'avoir une nouvelle majorité qui va lui faciliter la tâche dans son mandat. Et là, nous assistons à un spectacle de débauche, de corruption, qui est la nature même de celui qui est à l'idée de cette consultation. Débaucher ceux qui sont facilement toutes les putes de la politique congolaise, de la classe, de l'élite congolaise sont présents. Toutes les putes, les péripatéticiens de la classe politique congolaise répondent à l'appel pour vendre leur cul parce que pour eux, ça a été toujours une histoire de ventriocratie. C'est les ventres qui décident au détriment du bien-être collectif. Mais là aussi, c'est un autre problème. Les problèmes aujourd'hui, peuple congolais, se trouvent au niveau de la nationalité d'origine. Les problèmes, peuple congolais, se trouvent au niveau de la vérité des urnes. Les problèmes n'est pas l'annulation de l'installation du bourgmestre. D'autant plus que c'est lui qui a fait l'installation du bourgmestre, c'est le gouverneur du site qui vous, et non les ministres provinciaux de l'intérieur. Donc s'il fallait faire cette annulation de ces bourgmestres, il fallait commencer par les gouverneurs du Sud Kivu qui allait annuler l'installation du bourgmestre. Le ministre de l'Intérieur du Sud Kivu n'a fait que notifier pour que cette installation-là puisse
se réaliser. Il faut savoir que les problèmes se trouvent au niveau de l'entité qui a été créée par les RC de Goma, des Azarias Rouberoa. Et cette entité-là, étant créée par des agresseurs au prix du sang, au prix des massacres, ne peut pas avoir sa raison d'être, pour la simple raison qu'ils ont effectué une colonie de peuplement à outrance de manière à se créer une forme de majorité sur ces territoires-là. Et à chaque fois que vous ferez, peu importe quelle démarche que vous allez faire sur ces territoires-là, ils seront majoritaires. Ils n'ont pas la nationalité d'origine, donc ils ne peuvent pas avoir l'influence sur les décisions liées aux terres de nos ancêtres. Qu'on ne vienne pas vous dire que Tshilombo a fait annuler l'installation du bourgmestre de Minembwe. C'est de la poudre et des perlimpinpin, c'est pour vous endormir, c'est pour vous empêcher de questionner la réelle mission de sa délégation qui est allée voir Paul Kagame à Kigali. C'est pour que vous puissiez vous émoustiller, soi-disant, l'installation du bourgmestre a été annulée. Je répète encore, chers compatriotes, le problème n'est pas l'installation du bourgmestre de Minembwe, le problème réside au niveau de l'entité même de Minembwe. Il faut annuler la création de cette entité-là et attendre quand le peuple sera mature, quand nous aurons les moyens démocratiques vrais pour organiser notre territorial, ces entités-là pourront se créer selon la loi et par le respect de la propriété des terres ou selon les droits des premiers occupants et surtout selon l'héritage légué par nos ancêtres. Voilà là où se cristallisent les problèmes. Vous ne devez pas vous laisser avoir. Vous verrez, tous les communicateurs de Tshilombo vont sortir pour vous endormir, genre ils ont fait annuler l'installation du bourgmestre de Minembwe. Je répète encore, les problèmes ne se trouvent pas à ce niveau-là. Les problèmes se trouvent au niveau de l'entité même de Minembwe et de la population qui occupe cette entité, c'est-à-dire les Banyarwanda. Les problèmes se trouvent au niveau de la question de la nationalité d'origine. Les problèmes se trouvent au niveau de la propriété des terres. Les problèmes se trouvent au niveau de quelle est l'offre que Tshilombo a fait à Paul Kagame avec sa délégation qui est partie s'expliquer. Le problème, c'est de savoir tout cela parce que ils ne peuvent pas partir au nom du peuple qui ne les a jamais choisis et décidés sur l'avenir de nos populations et de nos terres sans pour autant consulter les vrais propriétaires de ces territoires. Les problèmes se trouvent à ce niveau-là. Les problèmes se trouvent au niveau de l'anticonstitutionnalité de Tshilombo lui-même. Les problèmes se trouvent au niveau de l'illégalité de ces pouvoirs-là, que ce soit parlementaire, que ce soit l'exécutif ou que ce soit judiciaire. Tous ces personnages-là ne sont pas représentatifs de la volonté du peuple congolais. Il s'agit d'une intelligentsia morbide, nocive, une intelligentsia délétère qui est en train de détruire l'histoire du Congo, la nation Congo, le peuple congolais, en offrant ces peuples-là et leur terre en cadeau aux agresseurs qui n'ont rien à voir avec l'histoire du sang et des terres qui composent ce qui est devenu en 1885 l'État indépendant du Congo. Nous devons rester debout et nous mobiliser à fond pour dégager les occupants, leurs collaborationnistes et surtout faire que la volonté de nos ancêtres puisse se réaliser sur les terres pour lesquelles ils ont coulé leur sang, pour lesquelles nous avons aujourd'hui un héritage. C'est notre devoir en tant que Congo, c'est notre devoir parce que nous devons honorer, nous devons faire que les noms de nos ancêtres méritants puissent resplendir à nouveau dans les paysages mondiaux, là où on parle des héros, des nations, des héros, des terres. L'histoire avec Minembwe n'a pas encore fini et croyez-moi, chers compatriotes, on va vous endormir avec ce document-là qui a été publié, soi-disant, à la date du 19 octobre. Mais qui est sorti aujourd'hui? La question de ces documents-là doit se poser. Pourquoi on publie ces documents-là aujourd'hui pendant que lui est en train de mijoter ses dialogues blablabla avec toutes les putes de la classe politique? Je parle de Jean-Pierre Bemba, de Moïse Katumbi et tous ceux qui ont fait les défilés là-bas, les Némois d'Antsemi, tous ceux qui n'ont aucun sens de dignité, aucun sens d'honneur, tous ceux qui sont en train d'abrutir le peuple congolais pour leur profit personnel, ce que moi j'appelle des ventriotes, ceux qui sont en train de faire gérer le pays par un régime ventriocratique, un régime qui est dirigé par la dalle, la panse. Mengu, Mengu, Bomona, Kimbirikiti, Métatron, Ibobo.